Franchement, j'adorais la tête de Jacob en mode ouais, gros. Notre monnaie est la risée de tous. L'inflation galope et tout Penny a été victime d'un meurtre brutal. Pourtant, le Parlement ne fait rien. La loi ne passera pas, monsieur. Disraeli ne sera bientôt qu'un souvenir. Tout est arrangé, je le jure sur mon honneur. Votre honneur ne pèse pas bien lourd. Comment osez-vous, monsieur? Les pauvres de cette ville ont assez souffert. Je viens d'accorder à tout mon personnel une augmentation pour contrer l'inflation. Quoi? Si je le pouvais, j'approvisionnerais tout Londres. Alors que vous, vous vous contentez de rester assis dans votre club à faire des promesses que vous ne pouvez honorer. Votre famille, en revanche, je me demande combien elle paierait pour que votre nom ne figure pas dans les journaux. Autant que Disraeli offrirait pour vous faire châtrer. Mais soyons généreux. Pourquoi se limiter à une chose quand on peut tout avoir? Alors, qu'en dites-vous? Dois-je passer à l'acte? C'est bien ce que je pensais. Le Parlement doit être libre de gouverner, sans entrave. Me suis-je fait comprendre? Je ne vous retiens pas. Une lettre? Pour moi? Oh, il me pète les bonbons avec sa lettre. Oh là là, putain! Bon bah voilà, séquence 6, retrait bancaire terminé. Bah on va commencer la séquence 7 hein, parce que sinon la séquence 6, il restait plus que deux missions à faire. C'était pas vécu hein. Donc on va commencer la 7. Hein, on est bien parti. L'ordre règne en politique. Ok. Alors, séquence 7, l'ordre règne en politique. Jacob et Evie ont tué deux des agents de Crawford Starrick, Philippe Toupenny et Lucy Sorn. Mais les Templiers sont loin d'être vaincus. Un projet d'attentat contre le Premier ministre conduit Jacob au Parlement et malgré la disparition de Lucy Thorn, la quête du Sphère d'Eden prend une tournure dramatique. Cher Monsieur Starrick, hommes engagés, attaque demain. La mort de Disraeli repoussera s'inédier la loi sur la collusion. Gladstone sera nettement plus docile. Puisse le père, etc., etc., signé B. Ainsi, Starrick se mêle aussi de politique. Je dois m'infiltrer au Sinopin Club afin de découvrir qui est ce B. Sois discret aux abords du Parlement. Ne suis-je pas toujours discret? Ton grand numéro à la Banque d'Angleterre a failli faire s'effondrer la livre sterling. Je ne l'aurais jamais permis, ma chère sœur. Mais en parlant d'effondrement, qu'en est-il de cette clé qui n'ouvre rien? Henry est en train de l'étudier. Je suis sûr que nous trouverons la crypte. Ta confiance t'honore, Evie. Vraiment. Une lettre? Pour moi? Oh putain. Si toi aussi tu veux faire bouffer la lettre à Jacob, envoie lettre au 8226. Putain, c'est vraiment chiant. Alors, bon déjà, normalement, j'ai dû récupérer un peu de sous dans le coffre. C'est tout? 4 points de compétence. Ouh. Ok. Ah non, mais... Ah ouais, quand même, badass. Ouais, mais non, mais il y a d'autres choses à fouetter, les gars. Alors, pourquoi je peux pas la fabriquer? Opale de
Oh putain. Ah, lol. Putain. Ça fout le seum. Bon bah de ce fait. Je sais pas, est-ce que je mets ça? Oh, des dégâts des. Oh non, celle-là. Alors j'aime bien les couleurs, mais alors elle est dégueulasse. Je sais pas, parce que la détection, ça fait pas de mal non plus, hein. Ouais, allez, vas-y, on est un maître assassin, vas-y, on se la pète. Ouais, ça fait chier. Sans arme, je crois que je dois être. Ça, je peux pas. Ça me fait perdre des trucs. Si j'aimerais bien avoir. Ah non, tu me diras, ça fait pareil. Ah, ça lâche pas l'affaire, mais je suis pas au niveau 9. Donc voilà, ça c'est fait. Après, j'ai 4, 4 points de compétence. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. C'est quoi ça le dernier? Merde. Vous inflige encore plus de dégâts, voire tue immédiatement l'ennemi. Ah, c'est bien ça. Stop de carriage. Ah ouais. Bon, ça peut servir à. Ouais, niveau 8. C'est ça qui est bon. Ça alors, niveau 8, est-ce qu'on peut. Est-ce qu'il y a des trucs. Progresser dans l'histoire, ouais. Bon, niveau 8, ça c'est pas terrible. Ça. Ça c'est 9. Ça c'est 9. C'est mort. Ça on peut pas. Ça on est au max. La ceinture, est-ce qu'on a débloqué des trucs? Progresser dans l'histoire, ouais, vous me faites chier. Les tenues, ça c'est bon. Les couleurs, l'amélioration d'équipement. Ah, l'amélioration d'équipement. J'avais un truc qui était dispo. Ah, les bombes. Ouais, non. Ah, grande bourse à fléchettes. Ouais, ça si, ça c'est. Ça c'est bien, ça. Voilà. Compétence, amélioration de bande. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Voiture de rooks. Ouais, bon. Puissance feu accrue. La salve de vos rooks c'est plus efficace. Ouais, c'est pas indispensable. Les armes des Templiers font parfois long feu, voire explosent. Ah, ça c'est bon ça. Ça peut servir. Ça bah. Boum! Ah, je pourrais me foutre de leur gueule. Ça c'est cool. Voilà! Bon, ça. Quel déplaisir de te voir. Tu as toujours été doué pour manier la canne. Ouais, et pas que la canne, hein. Cochonne. Heureusement que t'es ma sœur, hein. Parce que, hein, bref. Alors, ça c'est Evie. Gravé dans le papier. Je connais gravé dans la roche, mais. Ah, référence musicale! Là, c'est la mission de Jacob. Jeu de pouvoir. Plus dans un quartier. Oh, laisse tomber. Carnage. Bah.
Bon, on va prendre des vies, hein, et puis... On va faire ça. On va aller là-bas. On va prendre les vies. Ben, 1735, Edward Kenway, assassin influent, est tué chez lui par les mercenaires à la solde des Templiers. 1735! Ah oh ouais, d'accord. Me demandais la dernière fois justement en quelle année il était tué. Option. Eh oui. Évidemment. Évidemment. Oh là là. Non, mais non, mais j'ai osé faire cette vanne de merde. Ouais, j'ai osé. Mon Dieu. La tristesse. Ouais. Ah, elle aussi, elle a... Elle apporte des couteaux, des... Ouais, bon, on va rester avec celle-là. Bon, ouais, à chaque fois, c'est chiant aussi de mettre ça. Grand l'assassin... peut toujours pas. Et puis les armes, je suis toujours au niveau... Ah, alors... Ah, je suis à 4. Oh bon. À niveau 8, c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Alors. Non, amélioration de bande, on s'en fout. Fabrication. À niveau 8. Mais j'ai pas les plans alors. Ah, celle-là c'est con, elle est bien, mais j'ai pas encore assez de. Faut que je me refasse un choupe avant. Hein. Sûrement quelque chose d'intéressant. Attention, cette femme est dangereuse. Ça c'est con, il y avait des objets, mais le gosse il a dû se barrer. Mais petit, pourquoi tu es parti? C'était juste des méchants monsieur qui voulaient me faire chier. Bon, tant pis. Tant pis. Evie se rend au centre de Londres après l'assassinat de Tout Penny par Jacob.
débloquer une arme à feu. Une semaine, je ne paierai pas. Que s'est-il passé ? Votre frère. Qu'a-t-il encore fait cette fois ? Les journaux n'en ont que pour le meurtre de Tupeni. Et, comme si ça ne suffisait pas, quelqu'un a volé les plaques de la planche à billets. Est-ce aussi du fait de Jacob ? Ça m'étonnerait. Les gens se méfient des banques. Et de la monnaie, les prix vont grimper. Il y aura des émeutes. Les usines partiront en Amérique, où la main-d'œuvre est moins chère. En un mot, le déclin de l'Angleterre. Jacob, tu t'es vraiment surpassé cette fois. Attendez, et si j'allais remettre les plaques à la banque ? Eh bien, ça nous aiderait. Mieux encore, cela mettrait un terme aux rumeurs sur le meurtre de Tupeni. Et la confiance dans l'économie serait rétablie. Comptez sur moi, l'Angleterre échappera au chaos. Oh, et si cela ne vous gêne pas, pourriez-vous détruire tous les faux billets que vous trouverez avant qu'ils ne soient mis en circulation ? Bien sûr. Bah oui, mais normal. C'est gentil de venir nous prêter ma forme. Allez là, putain, j'allais dire, putain, je voyais même pas où il était. Suivez-moi. La fausse monnaie est écoulée tout près d'ici. Enfin, si l'on peut parler de fausse monnaie. Avec ces plaques, il est quasi impossible de distinguer les vrais billets des faux. Monsieur Aberlin. Si ces billets circulent... Enfin, vous êtes déjà au courant. Quand les gens n'ont plus confiance dans leur monnaie, il y a déjà eu des émeutes. Monsieur Aberlin. J'ai entièrement confiance en vous, Miss Mike. Ouais, moi aussi j'ai confiance en moi. Oh putain, qu'est-ce que j'aime pas faire ça. Vous deux, avec moi. Je ne tiens pas à me faire voler. Le faux monnayeur. T'as entendu parler de cette émeute à la banque ? Ils peuvent s'agiter tant qu'ils veulent. On ne rendra pas ces plaques. Qu'est-ce que ça peut faire ? C'est pas comme si c'était du véritable argent. Depuis qu'on a les plaques d'imprimerie, c'est du véritable argent. T'as entendu cette foule ? On dirait que Londres tout entier se rebelle. N'a rien à voir avec nous. Quand je pense que Jacob a réussi à mettre en péril toute l'économie, père avait raison. Il agit sans réfléchir et sans aucun remords. Ah, il va monter dans une calèche ? Ouais. J'aime pas faire ça. J'aime pas filer, ça m'énerve. J'essaye de faire ça doucement, pas trop me rapprocher. Allez. Parce que la dernière fois, je voulais faire ça en mode vas-y, je le suis sur les toits et tout, mais. Oh là là, je me suis énervée parce que ça m'énervait ce qu'elle veut dire. La meuf qui radote. C'était une calamité. Alors, j'ai trouvé cette technique, moi. Mon problème, c'est qu'il avance pas vite, quoi. Je
Dites-moi une fois, n'importe qui peut essayer d'entrer. Oui, monsieur. Gardez bien cet endroit sous clé. Oui, monsieur. Montez la garde, comme s'il s'agissait de la Banque d'Angleterre. À vos ordres, monsieur. Brûler la fausse monnaie et voler les plaques d'imprimerie. Ah, ok. Ouais, bon. Je pense que je vais devoir utiliser des... Ah ouais, oula. Devoir utiliser des... Des machins de dynamite, parce que sinon je vois pas trop comment je vais faire. Les pauvres, ils se sont doutés de rien. Parce qu'il y a une fenêtre qui est ouverte quelque part. Putain, y'a pas de fenêtre ouverte! Ah si, là. Ah bah voilà, c'est parce que je me disais. Ça va, ça a muté personne. Il ne me reste plus qu'à les remettre à la banque. Brûler la fausse monnaie, faut que je la trouve la fausse monnaie, elle est où? Je sais pas où elle est, c'est le problème. Bon, je vais poser ça, je verrai ça après. Il y en a un là en plus. Bah allez, passe. Allez, on n'a pas le temps. Oh là là. Allez, va à la fenêtre. Regarde, il y a des cuicuis dehors. Oh, il fait beau. Oh, c'est bien, il veut voir les cuicuis. Headshot. Lui, il bouge pas, lui. Ah, putain. Ah non, c'est pas ça. Le problème, c'est que je sais pas où ils sont ces faux billets. Il va passer. Ah,
je veux bien les brûler ces billets, mais j'aimerais bien savoir où ils sont. Ça me semble bizarre. Ah si, ça doit être ça. Bon, je sais pas, on va essayer, hein, de toute façon. Au pire, hein, ça fera boum. Oh merde! Ah putain, ça c'était moche. En plus, c'est même pas ça. Ça a pété, chef. Et quand je dis ça a pété, c'est que ça a pété, hein. Ah non, ça c'est pas des billets, ça c'est un truc pour se cacher. Mais tout qui est noirci, c'est marrant. Oh, des livres et tout. Bon, je peux marcher normalement, je suis con. Non, bah, je sais. Ah, ils sont là! Mais comment je peux faire? D'accord, attends. Ah, je peux me barrer avec après la fenêtre. Alors, faut que je retrouve une caisse. Ah merde, mais j'ai peut-être pété la. Ce qu'il y avait. Mais là, j'ai plus la caisse. Ah merde. Est-ce que je peux prendre les billets? Pire, je les mets et puis je les brûle. Et là-bas? Non, je peux pas les prendre. Ah si. Ah bah non, c'est bon. Ah c'est bon. Ah bon, ça va. Oh putain! Oh le cas! Ah putain! Hein. Ah le feu ça brûle, hein. Y a pas de doute. Hein. Alors. Là. Je vais passer à côté d'un petit coffre roudé. Ah, il est là. Hop. Bon, j'aurais pu y aller en calèche, mais bon. Ah, on court, c'est bon. Ça fait du sport. Quelque chose. Vous devriez avoir honte.
c'est bon, comme ça ils vont tous rentrer. C'est le bordel, allez. C'est le bordel, alors calmez-vous. Je vous en prie, oh merde. Ah. Je vous en prie, non, mais pas vu, moi, pas vu. Ah si, il m'a vu. Bon bah tant pis. Tant pis, tu vas mourir. C'est bête, hein. Voilà, elles sont de retour à leur place. Le petit. Ah. Faut que j'ouvre là. Je vais aller chercher le coffre. Si je veux, connard. Ah, et un coffre jaune, il est où? Il est. Ah, il est au-dessus peut-être. Ah bah non, il est pas au-dessus. Ah, il est en dessous. Je récupère hein, les coffres, hein, tant qu'à faire, je suis là. Hein. Voilà. Plan de vin chimère. Ah. Bon. Fuir la banque. Ouais. On va se barrer de là, mais. Bon. Je sais pas encore comment. Et pourquoi je suis montée? Alors, je sais très bien, j'ai pas de sortie en montant. Je suis con. Bien sorti. Okay. Non, il y a pas de sortie par là. Ah. Y a une sortie par là. Ah ouais, peut-être. Bah voilà, en plus je sors par la grande porte. Il est où ce con? Ah ça va, il est pas loin. Il s'agissait d'une fausse nouvelle. Plus d'émeutes. La confiance dans les banques est revenue. Je vais pouvoir passer une nuit tranquille. Miss Fry, je ne vous remercierai jamais assez. Ravi que nous ayons évité la catastrophe, sergent. Mais c'est plutôt Jacob qui devrait me remercier. Pas ce soir.